Bonjour les beaux regards et bienvenue pour la guidance énergétique et intuitive de ce vendredi 26 avril 2019. Et pour aujourd'hui, ce sont des énergies où on va être un peu sur le qui-vive, où on va être sur la défensive, où on va vouloir continuer à défendre un projet, défendre une situation, défendre une personne. Et ce sera un peu nous contre le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on est dans une situation où on a pas mal avancé, on s'est donné du mal pour avoir la situation dans laquelle on est, pour avoir ce que l'on a pour le moment. Et du coup, on a envie de préserver cette chose-là parce qu'elle nous tient à cœur. Et du coup, on est en alerte dès qu'il y a quelqu'un qui s'approche trop près de notre projet. On va être vraiment, oui, en alerte, on va être sur le qui-vive, on va être sur la défensive. C'est vraiment les énergies principales de cette journée. Donc par rapport à un projet qu'on a construit, par rapport à une relation, par rapport à une personne dans notre vie, voilà, on est prêt à se battre. Cette personne s'est déjà battue, on peut voir que battue entre guillemets bien sûr. On voit bien que sa main a eu un coup, mais il est quand même prêt à en recevoir d'autres s'il faut défendre sa cause, s'il faut défendre ce projet, son projet, etc. Donc il y a quelque part de la persévérance, une énergie de persévérance, une énergie où on est en alerte sur le qui-vive, une énergie où on est encore là, quoi. On est là, on est prêt à défendre nos valeurs, à défendre ce que l'on a créé, tout simplement. Donc voilà, une énergie quand même un peu. Comment dire, c'est pas une énergie qui est dans la légèreté, c'est quand même une énergie qui est assez lourde, assez intense, hein. Voilà, parce que c'est une énergie qui risque de nous mener à l'épuisement. Donc faire attention à ce côté-là, sinon ben, des fois ben, c'est toujours mieux de persévérer et de défendre notre projet que de rester à ne rien faire. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, un beau vendredi et on se retrouve très bientôt pour d'autres énergies. Bisous lumière!